Ouais, ouais. Je vais passer sur eux. Ah ouais. Ah, ça les écrase. Vous posez la question. Regarde ce qu'on a trouvé. Toujours par là. De cette zone là. Alors sur la gauche, je vais avoir les trucs volants, donc je vais le bloquer. On va jeter un coup d'œil, mais. Normalement, j'ai pas pouvoir faire grand chose. Conviction. Des ennemis. Ouvrez-moi les yeux. Ce sera un jeu d'enfant. Ok. Et on se retrouve avec les trucs volants. Ouais, vivement que je puisse les utiliser. Ah, t'as vu un truc? Ou y'a quelque chose là-haut, mais. Ouais, bref, on verra plus tard aussi. Mais t'inquiète. J'ai compris, c'est que je peux grimper sur ce truc là. Ennemi droit devant. Tu veux? Je voudrais monter moi. Et visiblement c'est compliqué de monter. C'est un retour ici. Attention. Aïe. Laisse-moi aller. Je pense que c'est pas par là que je dois passer donc. Ok. Alors, comment t'es entré en contact avec le passage? Pendant mon voyage, j'ai rencontré une personne dans le besoin. Et je l'ai aidé à se cacher de l'Empire. C'est ce qui m'a mené au passage. Mais je suis trop loin pour sauter sur ce truc-là.
Ah non. Parfois, je me demande si la destruction de l'Holocron a eu le moindre effet. Nous avons protégé les enfants de cette liste, mais il y en a d'autres. Et l'Empire continue de les traquer. Exactement. On doit protéger un maximum de gens. Alors, je veux bien que tes pouvoirs se soient cheatés, mais là, quand même, t'es dans le vide, là. Ok. Et le petit raccourci à la fin, débloqué. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc à récupérer avant? Pour ceux qui se dépêchent et qui ferment directement la porte. Bien vu. Serré. Oui, ce sont d'anciens mécanismes de sécurité. Un héritage de ceux qui ont vécu ici avant nous. Lorsque l'Empire est arrivé, les Anachorètes ont commencé à se servir de ça. Les vieilles technologies sont plus discrètes. Exactement. On va vexer... Non, c'est pas lui qu'on doit utiliser. Les murs, j'ai pas l'impression que je puisse courir dessus. Ah oui, mais du coup, je peux te faire ça. Attends que je suis plus haut. C'est juste. Le refuge est là-dedans. Oui. Ce temple est abandonné et bien fortifié. L'endroit idéal pour se cacher de l'Empire. C'est ce qu'on pensait. On va retrouver le frère Armias. Je l'espère. On va prendre la route de derrière. C'est le chemin le plus rapide. Ah, ça a l'air dangereux. Au moins, on est deux. Ça fait une pince chacun. Échappe sauvegardée. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est parti. Bon, y a pas de grande barre de vie déjà. Déjà ça. Ok. Ok, c'est vraiment pas trop court. Sans déconner. Sale bête. T'as trouvé comment accéder à Tanalor? Pas encore. Mais on a trouvé quelques appareils datant de la Haute République. Maître Cordova les examine en ce moment même. Serré et son maître forment un sacré duo. Ils ont été un atout vital pour le passage depuis qu'ils nous ont rejoints. Tu as rencontré d'autres Jedi au cours de tes voyages? Non, Cal. Si ça avait été le cas, je t'aurais contacté. Je te remercie. Et du coup sur le retour, tac tac tac, et quand j'aurai la compétence, j'attrape le truc.
Bien joué. Un raccourci vers la base de Ferré. Oui, surtout un point de sauvegarde. Il faut qu'on prenne un autre chemin pour le moment. De retour au sanctuaire du pèlerin. Quelque chose au-dessus. Donc, je pense à faire demi-tour. Ouais. Ah ouais. Est-ce que je peux... Déjà, est-ce qu'il y a une icône rouge? Ouais, bon, ok. Ou le triple saut aussi. Donc je tente pas. La pierre se rapproche. Séparons-nous. Je vais la ralentir. On se rejoindra près du temple. Ok. Hey, Merin! Fais attention à toi là-bas. C'est pas à moi de faire attention, Cal. Il n'y a plus que toi et moi. Quoi ? Ok. Ah. Bon. On a un établi à droite, mais je m'en fous. Un raccourci ici, mais c'est pas pour tout de suite. Notre raccourci ici. Il a l'air d'avoir faim. Je pensais qu'il allait faire autre chose qu'un coup de pied là. Il m'en faut. Moi j'avais réussi à lancer le sabre la dernière fois. Ah oui, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. S'il fait un saut, je fais une grosse attaque derrière. Non mais ça c'était pas bon. On va essayer. Ah. Ah mais il recule. Bien saut. Et que difficulté à utiliser ce sabre. Prenez une touche. Mais bon, faut que je m'entraîne. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a pas mal de choses là-haut. Non, c'est pour le ramener. Ok. Donc, c'est un effet chrono. Non. Je peux le comprendre.
un peu ça, mais il faut que je me laisse l'espace pour passer. Faut pas qu'il y aller sur le côté là. Ah bah du coup je l'ai bloqué avec ça. Là il va le bloquer sans me bloquer. Là, le problème c'est que... elle est vraiment mal placée. Ah oui non. Y'a pas de vitre. Tiens je suis con. Ok, non, je cherchais à bloquer le... bon, ça servait à rien. Donc une fois que j'ai récupéré ça, ça me sert à... monter, j'imagine, vu qu'il y a une grille. Mieux vaut ne toucher à rien ici. Au ouais. Risque de réveiller les morts. Ouais, il y a des bestioles. Ah oui, ça c'est une pierre. La dévotion jusqu'au bout. Mais envers quelle cause ? Ok, j'ai réveillé tout le monde, effectivement. Ah, il est explosif. Possibilité de résister à la force. Intéressant. Intéressant. Donc du coup je pensais que j'allais ressortir à un autre endroit. Bon, il y a plein de bestioles en bas parce que je les entends. Elle peut pas monter visiblement. On dirait qu'il y a une plateforme que je pourrais courir ici et aller là-bas. C'est ça qui m'embête un peu, mais sans doute trop tôt. C'est un coursier pour revenir, je sais pas. Suite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en bas? Non. Donc ça va me permettre... ah ok, je vois la suite. Un atterrissage réussi. Région. Le sanctuaire du pèlerin est après ce pont. Je me demande ce que signifient ces autres symboles. Prépare-toi, BD. Ça te rappelle Zepho à toi aussi ? Ouais. Sauter est une mauvaise idée. Bah c'est à dire je fais comment là parce que je vais me faire éjecter là. Oui d'accord, yes.
effectivement une croix. J'y arriverai pas. Il y a trop de vent. Bah, je vais même pas tenter. Hein. Tu as déjà entendu une chose pareille ? On dirait de la musique. Surtout, je me posais la question si c'était à durée limitée ou pas. Tout est deux points, tout est deux points. On peut y aller ? Elles sont arrivées quand cette navette ? Force hostile découverte. Ah, c'est vrai que je peux les pousser. Tellement plus simple. Ils attendaient une navette, donc d'autres vont arriver. Je peux descendre pour la suite. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, ne pas sauter. Ouais, mais là, ok. Quel genre de pèlerin venait ici, au fait ? Imagine devoir affronter ces vents juste pour trouver un refuge. Un sanctuaire n'a pas de prix, j'imagine. Meryn a dit que c'était la route de derrière, c'est ça? J'espère que Céré a fait passer les réfugiés par un autre chemin. Ils ont déjà assez souffert. J'ai cru que j'allais me faire aplatir. J'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Bon, c'est bon. Je refais le chemin. Je sais pas à quoi sert ce, pour l'instant ce, cette accroche là. Si ça me permettait de redescendre peut-être. Ah si, 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 il y avait un chemin. Il y a autre chose aussi. Là-bas. Je veux vraiment ça. Je vais juste attendre. Et repartir ici pour remonter. Ah, c'est le vent qui m'aide. Ouh la vache. Ensuite, je vais utiliser ce truc là pour sauter. Ah, ok. Et vu qu'il tournait, c'était pas utilisable avant. Oula. Ça passe. Il faut que tu descendes, c'est ça, non? Non, à droite. À droite, ok. T'as entendu? C'est le fantôme. Putain, toi, c'est juste le vent. Je sais pas ce qui est le pire. Ce vent... Les mains! Ah!
sans cœur gentil. Meryl a trouvé de quoi s'occuper. Pourquoi l'Empire nous a pas donné de surnom à nous? Jedi, ça suffit visiblement. T'entends ça, BD? Pourquoi y'a ça? Quoi ça sert? Si je peux sauter jusqu'ici. Ok, c'est... Tu peux pas faire demi-tour. Ah, quoique. Oui, Meryn est sûrement derrière ça. Oh. Ah, ça reste bien ça. Oula. Pas moi. Que les grosses bestioles, je peux les envoyer dans le vide. Ah, j'ai plus de force, ok. Ok, il balaye donc. Non, recule. Je pense qu'il peut me choper, ça peut faire très très mal. Ah, par contre, le saut pied joint, ça, j'aimerais bien le désactiver. Ah, ouais, ok. C'est ridicule ça. J'espère pour éviter qu'on attaque à distance, j'imagine. Ouais. Ah ouais, ça pique, ça pique. Ah. C'est très long quand même. Ces Stormtroopers n'étaient pas prêts pour ça. Et ça aide d'avoir un fantôme du désert de notre côté. Le vent souffle enfin en notre faveur cette fois. Ok. Le petit coffre caché. Ah, maintenant j'ai une plateforme pour monter. Une blague. On peut plus exploser avant. En avant, voyageur, fais la traversée. La traversée vers où ? Ah bah voilà, la zone que je disais tout à l'heure. C'était maintenant.
Ok. Ah oui, j'ai un truc de pêche ici. Auto. Oh non, je viens d'y... Je viens... Non.